Bonjour à mes élèves du lycée Thibaut de Champagne et bienvenue dans ce petit tutoriel qui nous explique comment compter avec le logiciel Mesurim. Alors imaginons que vous faites une insomnie, que vous n'arrivez pas à dormir et le meilleur conseil que je puisse vous donner c'est de ne pas allumer votre smartphone ou votre tablette car la lumière bleue des écrans a une action excitateur et empêche de dormir, mais de compter des moutons. Donc nous allons dans ce tutoriel compter des moutons. Donc tout d'abord, il faut aller chercher la photo que vous aurez enregistrée ou qui sera sur votre ordinateur. Ici, je cherche la photo de moutons. Et voilà mes moutons. Donc je vais les compter en espérant que cela va me permettre de m'endormir. Donc comment on fait pour compter? Avec le logiciel Mesurim, tout simplement, vous voyez ici dans la barre d'outils, vous allez ici, vous voyez, il y a des chiffres 1, 2, des couleurs, et c'est marqué comptage. Donc, vous sélectionnez comptage. Si vous voulez, vous pouvez changer la couleur de vos marques quand vous allez compter. Par exemple, imaginons que je veux que compter en noir sur la laine blanche ou allez hop, en jaune, on va compter. Vous voyez que ma marque était ici rouge et devenue jaune. Donc je vais compter le nombre de moutons que j'ai. J'ai un mouton ici, vous voyez que les marques restent et que ici le chiffre apparaît, 2. Et ici, c'est mon 1, c'est mon le nombre de moutons. 3, donc il y a 3 moutons dans la catégorie 1, catégorie 1 c'est les moutons. 4 moutons, 5 moutons, on continue. Tiens, il y en a un qui dépasse là, hop, je le compte. Voilà, alors si je ne suis pas trompé, ah j'avais oublié un qui s'était caché, ici, vous voyez, hop. Dans ma photo, j'ai 12 moutons. Voilà, c'est simple comme bonjour. Imaginons qu'en plus, j'arrive pas trop à m'endormir, je me dis qu'en comptant les roues de la charrette, je vais arriver à m'endormir. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va ici à nombre. On crée une nouvelle catégorie, la catégorie 2, pour moi, ce sera les roues, elle sera en verte, et je vais compter dans la catégorie 2. J'ai une roue, deux roues. Et voilà comment on peut compter plusieurs objets différents sur une même photo à l'aide du logiciel Mesurim. Allez, à la prochaine!